Salut tout le monde, c'est Nick et on se retrouve pour un nouvel épisode de La Mentale avec Ruben Spacius. Avant de commencer, je vais vous dire de vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche bleue pour ne rien rater des prochains épisodes de La Mentale. On n'est pas à se plaindre, votre engouement a été formidable depuis le début de la conception de Droit au But, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram ou YouTube. Mais voilà, on demande de s'abonner parce qu'on vise toujours plus haut. C'est comme ça qu'on a La Mentale. Et ça nous permet aussi d'avoir des grands joueurs, des grands talents du football québécois. Voilà. C'est toi, Ruben Spacius. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ça va, écoute. Hier, on a eu le droit à avoir un bon match. Très bon match. Je prends aussi la peine de remercier Forge, l'équipe média, mais pas que. Il y a Nico, d'ailleurs, qu'on remercie grandement. Il y a aussi l'équipe aussi qui est derrière. Kudamilia avec Quincy, Joya, Gang, nos sponsors pour la saison 2. Hier, match, victoire 4-3. Tu mets le but décisif. Tu vas au poteau de corner, tu nous fais une célébration. Ça, tu dois m'expliquer. Oh, non, en vrai, c'est rien de trop fou. En vrai, c'est Kouizé et Malik. C'est deux gars que j'ai connus depuis l'année passée. Malik qui vient d'Angleterre, Kouizé qui vient d'ici et moi qui vient de Montréal. On a vite été assez proches ensemble, tu vois. Mm-hmm. C'est des bons gars, on a les mêmes délires. Donc je pense qu'on avait vu une vidéo, en vrai c'est des gars de la NBA. C'est deux gars de la NBA qui ont fait cette célébration-là un peu. Et nous on est trois, tu vois, donc on a mis notre petite sauce. Donc on l'a fait à trois et depuis, c'est la deuxième fois qu'on le fait justement. J'avais fait quand on avait marqué contre Laval. En championnat canadien, mais ouais, de là, on fait ça et on aime bien, quoi. Ça, c'est la première célébration, parce qu'après, il y a la marque de fabrique. Ouais. Tu regardes la caméra, tu la fasses. Ah, un petit mot comme ça. Pourquoi? En vrai, ça, c'est même pas moi, c'est les fans. Après quelques matchs, j'ai commencé à marquer. Je pense que les fans ont commencé à m'aimer un peu, sans être arrogant. Et ils ont commencé ça avec leur chant. Ils disent souvent « Ubens, Ubens ». Ils ont commencé à faire le W. Et les premières fois que j'avais marqué, je les voyais le faire, je ne le faisais pas. Mais là, vu que j'ai vu que toute la section le faisait et tout, bah, j'ai juste embarqué dans le délire avec eux et c'est resté. Depuis ton arrivée, en fait. Ouais, exactement. C'est ta marque de fabrique depuis. C'est vrai, là, je suis obligé de suivre. Moi, j'étais sûr que tu faisais depuis le début. Non, même pas. C'est vraiment depuis l'année passée. T'sais, je suis arrivé en milieu de l'année 2021. Toute cette année-là, je n'ai pas fait. Donc, c'est vraiment quand j'ai mis un peu plus de buts l'année passée que ça a pris de l'ampleur et c'est devenu comme ça, quoi. Alors, on parle de match parce que les gens ne savent pas, mais on est en train de tourner présentement en plein été, pleine saison de CPL, pleine Gold Cup aussi. Je sais que tu as un coéquipier à toi, on ne va pas nommer de nom, qui joue avec une sélection particulière. Ruben Spacius. C'est ton prénom. Exact. Est-ce que tu pourrais me dire les origines justement de ton prénom? Ouais, non, dans le fond, mes deux parents sont nés en Haïti, les deux à Port-au-Prince. Donc, ça fait de moi que je suis d'origine haïtienne, quoi. Donc, c'est ça. Est-ce que tu vois où est-ce que je vais en venir ou... Ah, c'est sûr. Je l'ai dit dès que tu as commencé à parler de la sélection. Alors, moi, je vais dire, si un sélectionneur quelconque t'appelle et te dit, allez, viens visiter le pays, il est beau, tu vois. Est-ce que tu y vas? Non, c'est sûr que si on me donne la chance d'aller... Bon, on connaît Haïti, c'est sûr que historiquement, tu sais, c'est un pays incroyable. Premier pays noir, colonie noire à prendre son indépendance. Donc, tu vois que historiquement, c'est incroyable. Et aussi, dans le temps aussi, tu sais, le pays était très bien. Là, c'est sûr que dans les dernières années,
Tremblement de terre, problèmes naturels, etc., etc. Même au niveau du gouvernement, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été un peu difficile d'aller là-bas. Et aussi, la majorité de ma famille, elle est d'ici, elle est revenue à Montréal, que ce soit du côté de ma mère et mon père. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour moi d'aller là-bas. Mais voilà, comme tu as dit, si on me donne la chance d'aller là-bas, de visiter, c'est sûr que, tu vois, je ne vais pas dire non, quoi. Ça, là, je rigole, tu vois, je parle de visite, mais plus sérieusement. Est-ce que il y a une possibilité pour toi, un jour, d'évoluer en sélection? C'est sûr, je garde toujours ça en tête. Tu as parlé de la Gold Cup, j'ai parlé avec le coach d'ailleurs, qui était très intéressé. Bon, si je ne suis pas à la Gold Cup en ce moment, c'est parce que, justement, j'ai dit que j'allais attendre un peu. Pourquoi? En vrai, comme je vous ai dit, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes formations ici. Donc, c'est sûr que tu sais, je veux un peu redonner à Soccer Canada, entre guillemets, tu sais, la formation que j'ai eue ici, à Montréal, au Canada, tu vois. Mais après, encore une fois, comme j'ai dit, je suis conscient que mes parents, ils sont d'origine haïtienne, que je suis d'origine haïtienne aussi, que ça, je peux tout autant rendre fier le pays de mes parents, qui est aussi mon pays, tu vois. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Je suis encore jeune, 22 ans. Donc, on va juste prendre la bonne décision, quoi. Moi, je le vois pas comme un appel du pied, mais comme c'est une belle déclaration d'amour, tu vois, à la nation. Et en parlant de déclaration d'amour, et d'amour surtout du peuple haïtien, il y a deux attaquants qui sont revenus pour la Gold Cup. Il y a Duken Nazon, il y a Frenzy Pierrot, deux joueurs qui sont habitués à jouer quand même en Europe. Tu vois, Pierrot, la saison dernière en Ligue des Champions. Voilà. Pareil pour Duken Nazon, tu vois, qui joue quand même la Ligue Europa, l'Europa Conference League. Il a déjà joué à plusieurs reprises. Ils sont de retour. Si demain, tu es appelé, tu y vas. Est-ce que tu te sens prêt à concurrencer des attaquants comme ça? Ouais, ben, tu n'as pas le choix. Normalement, tu n'as pas le choix. Je ne vais pas encore une fois paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais si je suis dans une équipe, peu importe c'est qui est là, je vais essayer de compétitionner, tu vois. Je ne vais pas arriver parce que tu es telle et telle personne, je vais faire « ah », tu vois. C'est sûr que je vais peut-être avoir dans ma tête que oh, ouais, je suis à côté de grands attaquants. Mais encore une fois, si je suis à côté d'eux, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi que je peux faire. Donc, ouais, je suis toujours prêt à compétitionner, il n'y a pas de problème. C'est pas l'arrogance pour moi. Moi, c'est avoir la mentale. Ah, voilà, c'est la mentale. Tu vois, c'est simple. C'est simple. Alors là, tu vois, ça, c'était un peu une petite partie. On allait dans l'inconnu. Tu vois. Ouais. Moi, j'aime pas trop de savoir la mentale. C'est hyper décontracté. J'aime parler du présent, le futur, mais surtout l'avant. Parce que pour moi, l'avant, c'est tout aussi important. Ça fait le jour que tu es aujourd'hui. Est-ce que toi, tu pourrais m'expliquer d'où tu viens? Qui est Ruben Spacius, dans quel environnement tu as grandi et ton enfance, elle ressemblait à quoi? Dans le fond, comme tu as dit, Ruben Spacius, c'est mon nom. J'ai grandi à Terrebonne avec mes deux parents. Dieu merci, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment toujours. C'est un peu plus difficile ces temps-ci. Il y a beaucoup de familles qui sont... divorce, une semaine là-bas chez maman, une semaine chez papa, d'autres personnes ne connaissent pas leur père ou leur mère, bref, peu importe. Donc, non, moi j'ai eu la chance que mes parents, ils ont toujours été main dans la main et ils m'ont permis d'être la personne que je suis ici. Et voilà, maison chrétienne, typique haïtienne quoi. Donc c'est ça, j'ai commencé le foot là-bas aux alentours de quoi, 5-6 ans. À 5-6 ans, mes parents ils cherchaient un peu un sport où me mettre, ils m'ont essayé au baseball, zéro. Basket, baseball. Baseball, zéro. C'est pas pour moi, non. Basket, même chose. En étant plus jeune, j'aimais pas trop. Maintenant, je suis plus vieux, je suis plus grand, je comprends un peu plus. Donc c'est sûr que là, tu vois, je kiffe un peu plus. Mais les habiletés, voilà, elles sont pas là. Mais j'ai joué au hockey pendant 4 ans. Ouais, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé. Et bon, voilà, moi j'ai grandi à Terrebonne, comme je t'ai dit. Donc, tu vois, dans le temps. Terrebonne, je connais pas trop. Dans le fond, Terrebonne, c'est au nord de Montréal.
Ah, c'est le faux Laval. Ah, ouais. Ouais, si tu veux appeler ça comme ça, on peut te dire ça, mais... Il y a quoi à faire à Terrebonne, honnêtement? En vrai, c'est pas... Le truc, c'est que t'as pas nécessairement faire quelque chose à Terrebonne, parce que t'es proche de Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux sortir un peu de la ville. Donc non, moi, j'ai bien aimé Terrebonne. C'est sûr que dans le temps, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus des Québécois blancs qui étaient là-bas. Mais tu sais, maintenant, dans mon quartier, on est plus que 50% là. C'est des Noirs qui sont africains ou même des Arabes, tu vois. Donc c'est diversifié, c'est pas mal, c'est bien. Tu me parlais tout à l'heure de... Si t'étais pas joueur de soccer, t'aurais été joueur de hockey. Alors moi, j'ai envie de savoir comment on a failli avoir Ruben Spacius, joueur des Canadiens de Montréal, tu vois. C'est comme je t'ai dit. Bon, j'étais à Terrebonne. Les amis que j'avais, c'était le samedi matin, ils allaient jouer au hockey, tu vois. Moi, j'allais au foot, mais ils allaient au hockey. Ils me parlaient de leur tournoi et tout. Et bah, mes parents, ils m'ont acheté des patins. J'ai commencé de là. Okay. Et honnêtement, j'étais pas si pire. Hein. J'étais vraiment pas si mal. Quelle position? J'étais centre. Okay. Donc, ouais, c'était pas mal. J'ai fait 4 saisons, comme je t'ai dit. Donc, 2 saisons à Atom, je sais pas si tu connais, c'est les catégories. Et 2 saisons à Pee-Wee. Ok. Et ouais, donc c'est pas mal ça. Ok. Et tu fais ta scolarité primaire, secondaire à Terrebonne? J'ai fait mon primaire à Terrebonne, l'école arc-en-ciel qui est juste à côté de chez moi, 5 minutes à pied, même pas. Et après, pour le secondaire, j'ai été au collège Saint-Jean-Vianney, secondaire 1. C'est toujours à Terrebonne, ça? Non, ça c'est à Montréal, Pointe-aux-Trembles. Ok. Pointe-aux-Trembles, proche de Rivière des Prairies, bref, dans ce coin-là. Et après, Edouard Montpetit, chez la gars, où est-ce que là, parce que je suis rentré à l'académie. Donc, à Montréal, ça. Ouais. Tu me parlais de tes parents, haïtiens. On connaît leur amour aussi pour le football. Toujours fanatique, Brésil, l'Argentine. Toujours. Ces équipes-là. Est-ce que toi, ils t'ont un peu inculqué, tu vois, cette maladie qui est le football, cette belle maladie, j'ai envie de dire? Non, ouais, comme tu as dit, c'est une belle maladie. Honnêtement, c'est sûr que mon père, comme tous les pères haïtiens, voilà, ils aiment le foot. Donc, c'est sûr que, il a toujours été content que je joue au foot. Du moment que, comme je t'ai dit, ils ont trouvé que j'aimais ça. Lui, c'est 100% fanatique Brésil. Voilà. Donc, non, depuis, j'ai suivi. Et c'est pour ça que tu m'as demandé le joueur qui m'a plus inspiré. J'ai dit Ronaldinho, parce que, encore une fois, c'est Brésil. Donc, c'est ça, quoi. Bah justement, tu me parles de joueurs qui t'ont inspiré quand tu étais jeune. Tu avais Ronaldinho. Lui, c'est vraiment le gars qui t'a inspiré. T'en as pas d'autres? En tant que premier joueur, c'est vraiment Ronaldinho. Après, il y a encore une fois Brésilien, Neymar. Ça, c'est mon gars, tu vois. Mais après, on ne peut pas passer à côté des Messi et Ronaldo, tu vois. C'est sûr qu'on a grandi en regardant ça aussi. Donc, c'est ça, quoi. Et tes premiers ballons? Tu les touches où? C'est à la maison. Vraiment à la maison. Tu ne cassais pas des vases. Hein? Tous les joueurs de foot ont cassé des vases. C'est impossible que tu sois un joueur de foot, tu n'as jamais cassé des vases, tu vois. Donc, ouais, j'ai cassé des vases. Ma mère m'a bien chicoté. Ma mère, elle a même déjà mis des ciseaux dans des ballons de foot. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que je cassais des vases, justement, tu vois. Ah, moi, on m'envoyait direct dans la cour. Ah non. Moi, j'écoutais pas. Des fois, il pleuvait, je jouais à l'intérieur quand même, tu vois. Alors, ma mère, elle a mis des ciseaux dans des ballons de foot. J'ai perdu des ballons de foot parce que j'ai cassé des vases. C'est-à-dire, elle mettait des ciseaux, mais à un moment donné, tu vois, tu revenais toujours avec des balles. Ah, ouais, elle a... Ils t'inscrivent en club? Ouais, exactement, ils m'inscrivent en club. Et là, ça joue, honnêtement, je prends du plaisir. Mon père, il était coach aussi. Dans les premières années, c'était mon père qui était mon coach. Donc, ouais, on m'inscrit là-bas et de là, ça commence, quoi. Alors, t'as quand même une éclosion rapide. Tu débutes au club de soccer de Terrebonne. Tu te balades. Stats. Ah, t'as vu, hein? C'est les bonnes années, ça. Voilà. Moi, je connaissais pas ça. Moi, j'étais le petit gars qui souffrait. Toi, tu marquais, tu vois. Moi, j'étais déjà bien. Tu vois. Et il y a toi qui cartonne. Et t'as aussi un autre jeune que tu vas côtoyer un peu plus tard à l'académie, c'est Yannick Laurent. Est-ce que tu me parles un peu de ces années à Terrebonne?
Donc dans le fond, ouais, comme tu as dit, Yannick Laurent, qui est mon gars en passant. On se voit là, le Portugal, là, je le vois aller là-bas. Non, c'est, ouais, honnêtement, encore une fois, sans être arrogant, je pense que dans le temps, c'était vraiment les deux joueurs qui étaient les meilleurs, si je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, c'est encore tôt. Tu vois, il y a des jeunes qui sont même pas développés ou quoi que ce soit. Je pense que, bon, moi, j'aime dire que c'est peut-être un don de Dieu, tu vois. Et de là, on a grandi, on jouait ensemble. On était dans des écoles différentes, mais tout dans le quartier de Terrebonne, tout le monde savait qu'il y avait Yannick d'un côté, il y avait Rubens de l'autre. Même au niveau de l'école, il y avait les cross country. Ouais. C'était toujours moi, Yannick, premier, deuxième. Ouais. Donc il y a toujours eu cette rivalité, mais je trouve que c'était une rivalité qui était saine, tu vois. Il y avait jamais vraiment de jalousie ou quoi que ce soit. Au contraire, on se complétait bien. Et voilà, jusqu'à temps que, bon, moi j'allais à l'académie, il a été au CNHP au début. Donc c'est plus là, on s'est séparés, on s'est retrouvés après à l'académie, mais ouais, c'est de là que ça a commencé, et voilà quoi. Alors justement, on parle de Terrebonne, t'as fait le A, t'as fait le 2A, je sais pas si t'as fait le 3A à Terrebonne, mais je sais que t'as joué en 3A. Ça me permet de poser une question. Tu vois, on parle souvent de la différence académie et amateur. Sauf que on remarque pas aussi que amateur, t'as des échelons à gravir. C'est-à-dire le A, tu cartonnes. Mais j'ai envie de dire, quand on a 8 ans, on est dans le A, c'est notre élite qu'on connaît. Tu vois. Après, tu vas dans le 2A. Le 2A devient l'élite quand tu as 11-12 ans, parce qu'il n'y a pas de 3 encore. Tu as des joueurs qui performent dans le A. Ils arrivent dans le 2A, c'est des joueurs moyens. Tu as des joueurs qui sont très forts dans le 2A. Dans le 3A, ça devient des joueurs moyens. Toi, par les stats que j'ai vues, partout où tu vas, tu performes. Comment t'expliques que toi, tu as réussi, tu vois, ce petit switch à chaque fois? En vrai, encore une fois, c'est Dieu qui donne, quoi. Je suis obligé de dire, parce qu'il y a des trucs, évidemment, ça ne s'explique pas. C'est sûr que là, tu vois, maintenant, je suis pro, je joue au foot pour, tu vois, pour vivre, entre guillemets. C'est mon métier, mais à la base, ça vient juste parce que j'aime le sport et j'ai grandi dans ça, tu vois. C'est sûr que j'avais peut-être un peu plus fait que d'autres, peut-être que j'étais un peu plus motivé que d'autres. Comme tu as dit, toi, il y en a qui sont dans le A, ils sont d'accord, ils sont OK pour jouer dans le A jusqu'à temps qu'ils arrêtent de jouer, tu vois. Il y en a d'autres qui ont plus la dalle, ils veulent aller dans le 2A. Mais après, il faut que tu aies les qualités pour, il faut que tu aies la compréhension du jeu pour. Il y a beaucoup de choses qui font la différence. C'est comme les joueurs qui sont en PLSQ, qui veulent venir en CPL. C'est sûr qu'à la télé, ça peut paraître facile. Ça peut paraître très, très, très facile. Mais une fois que tu es sur le terrain, c'est différent. C'est très, très différent. Donc, comme j'ai dit, ça revient un peu à ce que j'ai dit aussi quand je parlais avec les gars. Je pense que ce qui différencie un peu l'académie, justement, avec les gars qui sont en PLSQ ou qui sont amateurs, comme tu dis, oui, techniquement, peut-être on s'entraîne un peu plus, mais techniquement, ça se travaille. Je pense que c'est vraiment plus dans la compréhension du jeu, tu vois. La façon qu'on réfléchit, nous, on sait déjà peut-être 2-3 passes en avance, ah, où est-ce que je dois être. Alors que peut-être que les gars en PLSQ, au niveau de la compréhension du jeu, c'est peut-être un peu plus lent. C'est pas mauvais, je sais pas qu'ils comprennent pas le jeu ou quoi que ce soit, mais des fois, ça va un peu moins vite, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait la plus grosse différence, je crois. Mais quand t'es jeune, quand t'as 11-12 ans, tu vois, y a pas ça. Mais est-ce que t'as l'impression... Parce que je te demande, parce que moi je vois A2, A3, le gars il met des 20 buts. C'est bon, on le dérange. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu avais un truc en plus que certains? Que ce soit physiquement, techniquement, quoi que ce soit. Même dans la compréhension, l'intelligence du jeu. En vrai, je peux même pas dire physiquement parce que peut-être que là maintenant ça paraît un peu moins, mais dans les années où est-ce que j'étais vraiment plus jeune, j'étais pas nécessairement le plus grand, j'étais pas nécessairement le plus costaud, j'étais pas nécessairement le plus rapide non plus, tu vois. Donc, je sais pas, je vais dire que ça vient de l'instinct, c'est tu joues et les choses se sont passées comme ça. C'est pour ça qu'encore une fois, je n'arrête pas de dire Dieu, mais c'est Dieu qui donne, littéralement, tu vois. Donc, s'il y a quelque chose en plus que je peux dire, c'est ça, quoi. Après, je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup de joueurs. Tous les joueurs, soit ils m'ont dit, c'est la grâce de Dieu, ils m'ont dit, ou c'est la chance, tu vois. Ouais, mais après, pour moi, la chance, ça n'existe pas, c'est Dieu qui fait.
Voilà. Il y a aussi le talent, tu vois. Exact. Il y a cette période de Terrebonne qui est très très bonne. En plus, vous faites la une des journaux à l'époque. Ah. Ça, voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des petits tournois à l'étranger. Parfois, il y a ça. Vous avez eu des tournois à l'étranger? À l'étranger, pas trop. Je pense que le plus qu'on pouvait aller, c'était un peu plus dans le nord du Québec, là, les Granby, tout ça. Mais sinon, rien de trop fou, finalement. Ça veut dire là, il y a Terrebonne. Il y a grande période de Terrebonne, on va l'appeler comme ça, la grande période de l'académie. Et entre ça, il y a l'Assomption. Je ne vais pas te mentir, l'Assomption, moi, je n'ai rien trouvé. Non. C'est toi qui dois m'expliquer. Non, honnêtement, c'était compliqué dans cette période-là. Je pense que, bref, il y avait eu des problèmes à Terrebonne avec certains coachs, directeurs techniques dans le temps. Donc, je voulais pas jouer avec ma catégorie d'âge avec une autre équipe qui est Terrebonne. Parce que j'ai grandi avec les gars de Terrebonne, je voulais pas jouer contre eux. Pour moi, c'était un peu une trahison, tu vois. Et comme je t'ai dit dans le temps, je n'étais pas nécessairement le plus grand, je n'étais pas nécessairement le plus costaud, je n'étais pas nécessairement le plus vite. Donc, j'étais assez bon pour aller jouer avec les plus vieux. Mais quand j'allais jouer avec les plus vieux, je n'étais pas nécessairement autant dominant que ce que je suis avec ma catégorie d'âge, tu vois. C'est normal. Donc, en plus, c'est ça, c'était un 2A. Donc, je pense que dans le temps, c'était U13 2A avec Terrebonne. Okay. Et je monte U14 3A avec l'Assomption. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, là, j'ai un peu souffert quand même. C'était un peu une période brouillon. Mm-hmm. À la fin de la journée, je m'en fous. Tu vois, je jouais juste pour le fun. C'était pas comme maintenant où est-ce que, tu vois, c'est ça que je vais faire de ma vie, tu vois. J'allais à l'école, je faisais mes affaires, il n'y avait pas de problème, tu vois. Mais ouais, c'était un peu plus compliqué à cette période-là avec l'Assomption, quoi. Puis l'Assomption, tu restes combien de temps? Un an, même pas. 2 ans, max. Parce que tu me dis, il y avait des problèmes à Terrebonne. Concrètement, il s'est passé quoi? Il y avait un coach et un directeur technique. Bon, je sais pas, c'était un peu tout fait, c'est un peu, tu vois, un peu hypocrite dans certaines choses. Comme je dis aussi, il y avait mon père qui était coach dans le temps aussi. Il voyait un peu des choses se passer. Il n'a pas trop accepté. Donc, on a juste décidé de partir. Et voilà, de là, on est allé à l'Assomption. Ça, c'est l'année avant le 3, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Okay. C'est pour ça que j'ai pas joué avec Terrebonne. On n'a pas fait cette montée en 3, tu vois, parce que j'étais déjà parti. Et ça, c'était en quelle année? Si tu me fais chercher loin, ça, moi j'arrive pas, je peux même pas te dire ça, ça fait vraiment longtemps. Okay. Ça fait vraiment longtemps. Ok, donc peut-être je vais faire un saut, tu me dis ou pas. Mais je vois, j'ai remarqué qu'en 2016, tu fais des camps d'identification avec l'équipe Canada. Ça c'est un peu période Terrebonne, Assomption? Non, ça je suis déjà à l'académie. Okay, je suis déjà à l'académie. Dans le fond, c'est Team Canada. Tu sais, ils voulaient juste voir un peu c'est qui qu'il y a dans le pays, tu vois. Donc, ils ont fait un genre de tournoi sans vrai but, tu vois. C'est juste pour voir qui a, que ce soit au Québec, que ce soit à l'Académie de l'Impact de Montréal, qui est le CF maintenant. Même chose pour TFC, même chose pour Vancouver. Donc, tout le monde est venu au centre Nutrilet. On a joué quelques matchs là et bon, c'était ça un peu le camp, quoi. Alors, tu me dis que tu es déjà à l'Académie. Là, je suis obligé de te demander, vers quel âge tu intègres? Pas l'année. Là. Non, ouais, je suis 14 ans. Okay. 13, 14 ans. Okay. Donc, après secondaire 1. Okay. Donc, je pense que c'est ça, t'as 13, 14 ans. Tu fais Terrebonne Academy. Ouais, exactement. Ok, et comment les contacts se sont créés? Dans le fond, quand j'étais à Terrebonne, justement, j'allais déjà dans ce qui était les écoles de soccer. Ok. Qui est un peu des camps que l'Impact font pour les jeunes. Et ça, c'est vraiment, tu payes et tu y vas. Donc, tout le monde peut y aller. Et moi, j'y allais. Et dans le temps, c'était coach Wilfried Nancy, qui est... Bon, maintenant, on connaît, tu vois. Lui, il commençait. Donc, c'est lui qui faisait ça. Et j'imagine qu'il a vu quelque chose de spécial. Il m'a dit, on te trouve pas mal. Tu devrais peut-être venir faire les essais de l'académie. Il y avait déjà aussi le recruteur en chef qui était Jean-Yves Grenouillat, qui m'avait déjà parlé. Il m'a dit, ouais, ça serait peut-être pas mal si tu penses à intégrer l'académie, tout ça. Donc, j'ai fait les essais et tout s'est bien passé. Donc,
Sur ça, tu m'as dit c'est 2000. J'ai. Ouais, 2013, 2014, okay. Aux alentours de ça, quoi. Donc là, tu intègres l'académie. Mm-hmm. J'ai envie de dire là, tu as découvert un peu tous les échelons du football amateur, mm-hmm. Qui est disponible. Ton âge, hein, parce que tu vas aller commencer à jouer à PLSK à 14 ans. Exact, exact. C'est tout le mal que je souhaite à un jeune. Mais... ouais. T'as jamais eu peur que la marche soit un peu trop haute? Pas vraiment, pas vraiment. Encore une fois, si quelqu'un te dit que il voit quelque chose en toi, c'est que forcément tu peux le faire, tu vois. Ouais. Donc encore une fois, je pense que comme tu appelles ça la mentale, c'est d'avoir la bonne mentalité, tu vois. Que tu vas là-bas, t'es pas moins bon que les autres, que t'es pas nécessairement meilleur que les autres non plus, t'es juste là pour apprendre et faire de ton mieux. Et je pense que c'est comme ça que j'ai fait pour être là où est-ce que je suis. Quoi. Tu vois, tu me parles, tu dis c'est la mentale. Tu penses que toi, depuis mine ou depuis tout petit, tu l'avais en toi? Je pense que ça se travaille. Je pense que ça s'est travaillé. Ça s'est travaillé. Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit au début, tu joues juste pour jouer. Mm. Tu vois, tu joues parce que tes amis jouent, comme j'ai joué au hockey, parce que mes amis jouaient. Après, c'est sûr que j'ai aimé, tu vois. Mm. Mais le foot, j'aimais ça à la base, oui, mais tu sais, je jouais avec mes amis, c'était nice. Quand on avait les tournois, on restait ensemble, on dînait au Subway, des trucs du genre, tu vois. Mm. Donc, c'est des bons moments, mais une fois que, ouais, quand je suis rentré à l'académie, c'est là que j'ai dit, ouais, là, il y a moyen, tu vois. Mm. Peut-être que je peux vraiment faire ça de ma vie, quoi. Mm. Et tu penses, parce que tu dis que avant, tu l'avais pas. Mais est-ce qu'il y a eu un espèce de coup dur? Je sais que tu en as eu un peu plus tard à l'académie, mais avant ça, est-ce qu'il y en a à un moment donné, tu te dis ok, ouais, là il faut que je travaille pour ma place parce que il y en a derrière qui bossent, ils peuvent me la piquer? Ouais, je dirais parce que moi, dans le fond, j'ai fait sélection régionale avec mon âge à moi, okay. Et j'ai fait aussi les Jeux du Québec avec lui. Okay. Donc, ça, c'était en quelle année? C'était pendant... Ça, c'était quand j'étais encore à Terrebonne. Okay. Donc, je pense que les Jeux du Québec, c'est quand on a 13 ans à peu près. Ouais. Donc, bon, comme on a parlé avec Yannick, tout ce qui était dans ma région, encore une fois, sans être arrogant, j'étais quand même au-dessus. Au-dessus, ouais. Sauf que là, Jeux du Québec, c'est toutes les régions du Québec. Exact. Ah là, on a vu les Concordia, on a vu les Laval... Là, je me suis dit que ouais, je ne suis peut-être pas si bon que ça, tu vois. Parce qu'il y avait d'autres gars qui, justement, à cet âge-là, étaient déjà plus forts. Plus forts. Donc, ouais. Et justement, tu penses que lorsqu'on intègre l'académie, il faut être fort mentalement? Ouais, il faut. Il faut, parce que tu rentres dans une structure pro. Tu n'es plus là, justement, juste pour aller jouer avec tes amis, tu vois. Tu es à l'école, tu finis l'école, directement, tu vas sur le terrain, tu vois. Ouais. Tu apprends. À chaque jour, tu as la chance d'être sur le terrain. Donc, ouais, tu es obligé d'avoir cette mentalité que tu joues pas juste pour le fun, mais que tu joues, oui, parce que tu aimes ça, mais parce que tu as un but aussi à la fin. Quoi. Parce que, justement, tu passes du monde amateur au monde professionnel, comme tu l'as si bien dit. Est-ce que tu vois aussi une différence nette au niveau des éducateurs? Ouais, non, ça, c'est la chose qui est le plus flagrant. Mais attends. Ton père t'entraînait, hein, donc fais attention à la question. Je sais. Mais mon père lui-même, il sait, tu vois. Mon père, comme on en a parlé, il aime le foot. Ouais. Il aime le foot, il aime jouer. Ouais. Si je lui demande de faire des tactiques à la PEP, il connaît rien de tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais, tout ce qui est les trucs de base, prise d'info, quand t'es jeune, t'as pas à faire ça, la prise d'info. Ouais. Mon père, il m'a pas appris à faire la prise d'info. Mon père, il m'a appris à frapper le ballon, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, tout ce qui est prise d'info... Réfléchir à ton positionnement, même techniquement, apprendre à être propre techniquement, tu l'apprends à l'académie. Parce que oui, avant, tu es capable de courir avec le ballon, tu es capable de frapper avec le ballon, mais quand tu as un défenseur qui vient dans le dos, il faut que ta première touche soit bonne, tu vois. Les contrôles orientés, c'est là que tu commences à apprendre que c'est important, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est là que les coachs, ça devient vraiment des formateurs. Ils t'apprennent à jouer au foot. Aussi, quelque chose que j'ai vraiment aimé à l'académie, c'est que les coachs, ils étaient aussi des bons éducateurs dans la vie. Okay. J'ai eu des bons coachs, Philippe Lafroy, Serge Dincota, qui m'ont appris à grandir en tant que personne aussi. Okay. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien aussi. T'as tout résumé. Parce que j'allais te demander si t'as durant ta formation, tu as des formateurs qui t'ont inspiré. Ouais. Là, tu m'as nommé Philippe.
c'est vraiment eux avec qui tu as grandi en fait. Ouais, et aussi j'oublie aussi Nicolas Gagnon, que j'ai passé plusieurs saisons avec lui. Okay. Mais ouais, c'est vraiment les trois coachs avec qui j'ai vraiment grandi. Dans toute ma période à l'académie, j'ai eu aussi un autre coach qui s'appelle Mathieu Ruffier qui est parti en France avec une équipe de filles en ce moment. Okay. Mais ouais, c'est vraiment les coachs que j'ai grandi, que je peux vraiment dire que voilà, ils m'ont marqué et qui, entre guillemets, aussi ont mis leur petite grain de sel dans la personne que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. C'est surtout quand on est à l'académie, on est à l'école, après on va au foot, après on retourne à la maison, on voit presque les coachs plus que nos parents, tu vois. Ouais. Parce qu'on voit nos parents de 6 à 8 heures, après il faut aller dormir parce qu'on retourne à l'école le lendemain à 6 heures du matin, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Donc, tu parles de la relation aussi avec tes formateurs. Mm-hmm. La relation avec tes coéquipiers. Et tu m'as parlé en off, il y en a beaucoup aussi que tu as côtoyé pendant ton parcours. C'était comment vivre dans un centre de formation avec eux, avec des jeunes au quotidien, même âge que toi? Moi, l'académie, j'ai trop kiffé. C'était incroyable, vraiment là, c'était vraiment incroyable. Et en plus au secondaire, justement, quand moi je suis arrivé, secondaire 2 et secondaire 3, les professeurs, ils ont eu la bonne idée de tout nous mettre dans la même classe. Donc toute l'équipe, elle était tous dans la même classe. Ouais. Donc il y avait juste nous. C'était incroyable. Vraiment, c'était... C'est incroyable. Ah. J'ai l'impression que ça niaisait un peu. Non, là, moi, c'était incroyable. C'était incroyable parce que... Bon, même honnêtement pour l'école, parce que tu sais au moins que le gars qui est à côté de toi, il a appris la même chose que toi, tu vois. Ouais. Donc vous savez que vous pouvez vraiment vous aider. Mais même dans les délires, tu vois, même, on va pas se mentir, on a niaisé les profs ensemble, tu vois. Ouais. Tu vois, on a fait des mauvais coups ensemble. Donc, non, j'ai vraiment kiffé, c'était incroyable. Est-ce que t'as un joli coup, mais mignon, tu vois, à dire? Joli coup, mignon, attends, j'étais pas tranquille, mais j'étais tranquille, tu vois. Ouais. Je savais quand me calmer, quand me pousser un peu, tu vois. Ouais. Si tu veux demander ça, fallait demander ça à Zach. Ah, Zach, ouais. Là... C'est lui le problème. T'envoies des trucs, non? Mais... Non, moi je te dis, Zach, c'était lui le problème. Au secondaire, c'était lui le problème. Obligé. Moi j'ai l'impression que là, t'es en train un peu de te sauver. Parce que tu dis, non. Les parents vont regarder. Non. Ça va, mes parents, ils me connaissent, ça va. Ils savent que des fois, même moi, j'ai fait un peu le foot, tu vois. Ouais. Mais celui-là qui est numéro 1, moi je dirais, c'est Zach. Il y a même pas de doute. C'est loin. Le deuxième, il est loin derrière. Ouais. Moi, c'est 100%. Donc là, tu parles de un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Et sur le terrain, dans le vestiaire, c'est comment? C'est totalement différent. Comme je t'ai dit, à partir de 14 ans, tu comprends qu'il y en a peut-être un dans le groupe de 20 qui va signer pro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est nice d'être ami à l'extérieur, à l'école, etc. Mais une fois que tu rentres sur le terrain, même si justement Zach est un des gars que je suis le plus proche à l'académie, si je dois le mettre le crampon à la cheville, ouais. Pff, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu lui mets, quoi. On triche pas. Ouais, exactement, il n'y a pas de tricherie. C'est ça. Donc, ça c'est une chose. Est-ce que vous partez aussi à l'extérieur, tu vois, faire des tournois et tout? Ouais, on avait ce qui s'appelait la USSDA. Dans le fond, c'était la meilleure ligue aux États-Unis. Puisqu'on était en MLS, on était rentré dans cette structure où est-ce que toutes les académies MLS étaient dedans. Et aussi, il y avait des académies privées. Okay. Il y a des joueurs comme Pulisic qui est sorti d'une académie privée de la USSDA, par exemple. Des gars comme ça. Donc, on jouait contre d'autres académies MLS. Des fois, on allait à New York, à Philadelphie, à Washington, bref. Tu vois un peu le délire. Et il y avait aussi la GA Cup, qui est la génération Adidas, qu'on a fait. On a joué contre d'autres académies MLS. On a joué contre des équipes de la Ligue AMX aussi. Okay. Donc, il y a eu ça. On a fait un voyage en France. Un peu plus jeune, on a joué contre Marseille. Okay. Ouais. Vous avez pris une... Ah, en vrai, même pas. Hein. Ah ouais. En vrai, même pas. On a perdu le premier match de groupe. Okay. Et après, un peu plus tard dans la compétition, on les a repris juste pour les matchs de classement. On a gagné. Donc, Marseille. T'inquiète pas. Les gars de Paris, là. Mais ouais. Donc, ouais. Donc, tu fais combien de temps à l'académie? Donc, de 14 jusqu'à 20...
21. Donc un bon 7-8 ans, quoi. 7-8 ans, mm-hmm. C'est-à-dire, pendant 7-8 ans, c'est un phénomène qui arrive, tu vois des jeunes, tes potes, partir. Mm. Toi, tu restes. Mm-hmm. Parce que, il y a une prise de conscience en mode, ouais, là, peut-être moi, je suis le prochain, mm-hmm. C'est un peu compliqué. Non, ouais, c'est dur. C'est pas facile parce que, comme je t'ai dit, c'est des amis. Comme je t'ai dit, nous, on les côtoyait tous les jours. On avait les mêmes classes. Et en plus, après, on se voyait sur le terrain, même à la salle d'études, c'était les mêmes gars, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que quand t'en vois un partir, tu dis, bon, c'est pas grave, on va continuer à se texter. T'en vois deux, trois. Vite, c'est la moitié. Tu commences à comprendre que ouais, tu te rapproches, mais que tu vois, c'est pas tout le monde qui a eu la chance ou qui a eu les opportunités de rester, tu vois. Donc, tu essaies de faire le plus que tu peux. Tu comprends vite que, voilà, quoi, c'est plus des blagues. Donc, c'est ça. Ça te fait pas stresser? Stresser, pas vraiment. Chacun a son plan. Honnêtement, même moi, à l'académie, il y a une période où est-ce que j'étais le prochain à sortir. Okay. On avait ce qui s'appelait des bilans. Ouais. Et dans le fond, tu avais une couleur. Tu pouvais avoir rouge. Rouge, c'était exclu de l'académie. Tu t'es bail. Tu pouvais avoir orange, jaune, vert ou bleu. Donc bleu, le plus fort. Et rouge, le moins bon, quoi. Ouais. Et il y a eu un bilan. J'étais dans l'orange, presque rouge. Mmh. Et à m'arriver à la maison, j'étais prêt de pleurer parce que j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je devais faire de plus et tout. Mais ça s'est arrangé, ça s'est bien passé. Bah, j'étais le dernier à rester à l'académie, donc voilà, quoi. Tu dis que tu comprends pas, tu étais dans l'orange, mmh. On t'a expliqué. Là, tu m'avais expliqué. Ouais, non, c'était bon. Physiquement, dans le temps, j'étais pas le plus grand, le plus costaud, okay. Plus rapide, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mmh. Donc, à partir de 14-15, les gars commencent un peu à grandir, tu vois. Ouais. Et moi, en plus, je suis en pointe. Donc, les défenseurs derrière, là, les carifas, là, tu connais. Ouais. Ils s'en foutent, ils te voient, ils te cassent. Mm. Donc, j'avais pas beaucoup de chance. Mais c'est ça. J'ai resté, j'ai continué à bosser. Il y avait des coachs qui ont cru en moi. Et voilà, j'ai été capable de m'en sortir. C'est qui le coach qui a cru en toi? C'est le même qui, justement, qui était prêt à me couper. C'est le même qui m'a poussé à rester, c'est Nicolas Gagnon, dans le fond. Lui, c'est le coach que j'ai passé le plus de temps à l'académie avec. Peut-être un bon 3-4 saisons, j'étais avec lui. Donc, c'est ça, j'ai eu le bilan avec lui, comme quoi il me disait que ouais, peut-être que tu vas nous quitter si tu pousses pas plus. C'est le même qui m'a relancé, qui m'a aidé à être plus fort et à mieux performer, quoi. Justement, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? Peut-être juste dans mon attitude, peut-être que j'étais un peu plus sérieux, un peu plus déterminé, que quand je venais vraiment à l'entraînement, je riais, mais j'étais vraiment plus concentré, quoi. Je voulais vraiment rester. Je savais que l'académie, c'était la meilleure place pour moi, pour grandir en tant que joueur de foot. Donc, vraiment, j'ai changé cette mentalité, quoi. Alors, ça, c'était, t'avais quel âge quand t'as failli te faire... 15 ans à peu près. 15, ouais, 15. Okay. Ouais. Donc là, il y a 15 ans. Mm-hmm. Et là, je vais faire un petit saut. En début d'année 2018, mm-hmm. Je suis sur Internet, je vois les articles. Ouais. On t'annonce parmi les 10 joueurs du centre de formation qu'on voit dans un futur proche, mm-hmm. Être au CF Montréal. Alors, je sais que toi, pendant cette période-là, tu vis une période un peu plus compliquée qui arrive en 2018. Ouais, exact. Tu te blesses. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Période très compliquée. Comme tu as dit, là, on a passé la période un peu grise, comme on vient de parler. Mm-hmm. Là, je commence à marquer, je commence à être bon. Ouais. Y a les pros qui commencent à regarder aussi. Ils commencent à prendre des informations. Dans le temps, c'était Rémi Garde. Mm-hmm. Ils prennent des informations, ils regardent les matchs.
où si on avait fait justement la USSD, comme je t'avais dit, notre ligue, on avait été en demi-finale. Okay. Donc toute l'attention de l'académie, elle était sur nous, tu vois. Mm-hmm. Et Dieu merci, j'ai vraiment bien performé dans cette période-là. Donc ça m'a aidé à, comme tu as vu, être dans les joueurs qui potentiellement pouvaient être avec la première équipe. Ouais. Mais ouais, après il y a eu la blessure. Ben, les deux blessures en vrai, ça s'appelle une ostéochondrite disséquante. C'est une partie du fémur, donc tu as ton fémur qui est là. Ouais. Il y a une partie qui s'est fissurée et à force de jouer avec, ça, ça l'a cassé. Donc le morceau, il était au niveau du genou et il bougeait comme ça. Mmh. Il bougeait et un jour, il est allé dans l'articulation du genou, donc le genou, il pouvait plus bouger. Genre, c'était barré. Genre. Si mon genou, il est comme ça, il reste comme ça. Okay. Même si j'essaie de pousser, ça bouge pas. Ça, c'était c'est pas mort. En plein match? Ça non. Marchait comme ça? Ouais, ben, c'est à l'entraînement, en vrai. Okay. C'est à l'entraînement. Tu sais, je sais pas, ça arrive comme ça, ça m'est jamais arrivé. Ouais, je me dis que le lendemain, ça va être tranquille. Mmh. Parce que là, je vais en thérapie, mon genou, il reste bloqué. On dit, OK, on va voir demain. La nuit, ça reste. Donc là, on est pendant la nuit, je commence à pleurer. Comme ça, mon père, il descend. Moi, ma chambre, elle est en bas. Mon père, il descend. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, je dis, mon genou est toujours bloqué. J'arrive pas à le bouger. Donc là, on va à Sainte-Justine. Mm-hmm. Parce que dans le temps, j'avais 17 ans. Mm-hmm. Et ben, c'est là qu'on voit un peu les problèmes, quoi. Les problèmes commencent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et écoute, ça, c'est une blessure qui va t'éloigner des terrains pendant un petit bout. Ouais, 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 ouais. Ton bilan, en soi, ton ratio but par match, mm-hmm. il est bon ouais, durant ouais. cette période. Tu as dit que tu as une deuxième blessure. Mm-hmm. C'est quoi? C'est la même, mais de l'autre genou. De l'autre genou? Ah, exactement. Ok, et là, tu vas voir le médecin. Ouais. Il dit quoi? Comment? Dans le fond, c'est qu'une fois que l'opération elle a été faite pour le genou droit, ouais. Tu vois, ils aiment souvent faire des suivis. Enfin, donc ils ont fait le suivi, tout allait bien dans le genou droit, Dieu merci. Ouais. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils disent, bon, on va aller voir le genou gauche juste au cas où, tu vois. Ouais. Pour pas que tu nous reviennes une autre journée avec le genou gauche, tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc on voit le genou gauche. Mon genou, il bloque pas, mais on voit que potentiellement, il va avoir la même chose. Genre, le morceau, comme je t'ai dit, il est fissuré de la même façon. Okay. Qu'il va tomber aussi et puis que ça va arriver la même chose, tu vois. Mm-hmm. Donc... là, en vrai, c'est mes parents qui ont dû me raisonner parce que moi, dans ma tête, j'étais, bon, le morceau, il est pas tombé. Donc, je peux encore jouer, donc je vais jouer, tu vois. Bah, tu connais les mamans, papa, ils te ramènent sur terre, tu vois. Ils disent que c'est pas comme ça, tu vois. Donc, on décide de faire l'opération de la même façon. Donc, je retourne de la même façon pour un autre 6-7 mois à peu près. Donc 6-7 mois pour lui, le genou droit, 6-7 mois pour le genou gauche. Donc un bon un an et quelques mois comme ça. C'est-à-dire là, tu joues pas, mais on te garde toujours à l'académie. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on croit en toi. Exact. Quand tu reviens, bon, déjà, il me garde depuis là. Mm-hmm. Mm-hmm. Très bon entraîneur formateur. Exact, donc, exact. Ça, c'est une chose. Tu reviens, dans quelles conditions? Je reviens Covid. Okay. Covid déjà, il y a eu toute cette période-là de Covid compliqué. Maintenant c'était rendu bon. Et Philippe Lafray était parti, tout le staff technique des pros il est parti. Donc c'est un peu nouveau, tu vois. On me connaît d'il y a 2 ans, mais je suis plus le même qu'il y a 2 ans. Ouais. Tout comme les joueurs qu'ils ont joué, ils sont plus les mêmes depuis il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Donc, c'est là qu'il y a Olivier Renard qui vient, Thierry Henry et toute sa clique. Donc c'est ça. C'est sûr qu'on me connaît un peu d'avant, mais le jeu il est différent, tu vois. Ça fait 2 ans que je n'ai pas touché le terrain. Je vais te mentir que les premiers matchs, c'était très, très compliqué. C'est-à-dire que tu reviens directement dans le bain. Ouais, 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 direct. Tu prends pas la peine, tu vois. Les espèces, tu vois les vidéos là. Ouais, les gars, ils non. avant, ils vont dans un parc, ils s'entraînent et tout. Toi, tu vas. Ouais, c'était vraiment avec l'académie. Eux aussi, ils voulaient garder un peu un œil sur moi, voir comment ça allait avec ma réhabilitation. Mm-hmm. Donc, c'était mieux pour moi aussi de recommencer avec eux justement à la place d'aller sur le terrain, au parc. Tu connais les gars au parc, des fois, ils mettent des techs ouais, bizarres. Ouais, tu vois le genre. Donc, ouais, ça l'a enchaîné comme ça. Voilà. Alors, t'es de retour.
Mm-hmm. Et ça ne t'empêche pas de faire le camp mm-hmm. en 2021. Exact. Et il y a un autre entraîneur formateur, exact. C'est un grand attaquant, c'est mm-hmm. Thierry Henry, qui te prend dans le groupe élargi. Mm-hmm. Du peu que tu as vu de lui, parce que je pense qu'il part la même année, quelques semaines après. Ouais. Comment toi tu juges comme entraîneur? Bon, tu peux le voir dans les interviews que c'est un personnage, mm-hmm. tu vois. Il est vraiment différent des autres. Il a une façon de penser différente, une façon de voir les choses qui est totalement différente. Il a côtoyé les meilleurs joueurs possibles. Donc c'est sûr que pour nous qui sommes là, nous on a l'habitude de côtoyer des bons joueurs en MLS, mais lui il a côtoyé les Messi, les Ronaldinho, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une nouvelle façon de penser qui est peut-être différente de la nôtre. C'est peut-être pour ça que la majorité des gars qui l'ont eu en tant que coach ont reçu un peu cette claque en pleine face, tu vois. Mais sinon, autre que ça, j'ai pas trop à dire, comme je t'ai dit, j'ai pas trop côtoyé non plus. Donc si j'ai quelque chose à dire par rapport à lui, ça serait pas mal ça. Tu vois, Thierry Henry, c'est un grand attaquant. Mm-hmm. J'imagine, il y a plusieurs questions qui viennent dans ma tête, hein, mm-hmm. tu vois. Première, c'est, tu grandis, tu le vois à la télé. Là, il est devant toi. Mm-hmm. Est-ce que tu es quand même impressionné? C'est un monsieur, il a une aura, tu vois, il a un mm-hmm. charisme. Et là, tu dis, il t'apprend comment faire les déplacements. Ah, toi, t'es un attaquant, un grand attaquant, te dit comment te placer, il t'écoute forcément. Ben c'est sûr, c'est spécial. C'est vraiment spécial de voir les gars justement que tu t'es inspiré, que tu as vu à la télé, que tu vois, c'était eux les gars, tu vois. Mm-hmm. Un autre exemple, il y a eu Drogba qui est venu à Montréal. Mm-hmm. Des gars comme ça que tu sais que dès qu'ils rentrent dans la pièce, il y a une présence spéciale, tu vois. C'est différent. Donc c'est sûr que c'est spécial, mais encore une fois, après, c'est le travail. T'es obligé d'être concentré, d'être professionnel et t'oublies, tu fais abstraction de ça et ça devient ton coach qui va t'aider à performer après. Durant ton passage à l'académie, alors là, je vais un peu aller plus bas, tu vois, mais de ton arrivée à ta sortie, tu fais sûrement quelques apparitions, tu vois, dans le groupe pro à l'entraînement. Est-ce que t'as des joueurs qui t'ont impressionné? Ouais, si dans le temps c'était les Drogba. Donc tu sais, il y avait Drogba, Piatti, les Mankusu, Duro, tout ça, c'est des gars qui sont plus là maintenant, mais qui dans le temps, tu vois, ils ont quand même fait les beaux jours de l'Impact, tu vois. Donc Piatti, Drogba, c'était assez spécial pour moi, honnêtement. Qu'est-ce qui fait que tes débuts professionnels ne se font pas au CF Montréal? Parce que avec le temps, il y a une analyse. Est-ce qu'il y a une analyse? Est-ce qu'il y a un recul que tu sais pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Bon, pré-saison avec la première équipe, honnêtement, rien à dire. Encore une fois, sans être arrogant, rien à dire. On fait inter-squad contre les gars. Il y avait même eu un match, on avait fait presque tous les gars de l'académie. Contre les pros, très bon match, je marque, respecté des coachs, respecté du directeur sportif, Olivier Renard. Et c'est là aussi que j'ai commencé à être assez proche avec Ismaël, okay. Ismaël Koné, qui lui aussi était dans le groupe des gars qui étaient allés à la pré-saison. Ouais. Et voilà, on finit la pré-saison, on était peut-être 8 gars qui étaient de l'académie. Directeur sportif, il nous prend tous les joueurs de l'académie, il nous dit « Bon, ok, c'était votre dernier entraînement, je vais parler avec 3 joueurs. » Il me nomme moi, il nomme Ismaël et il nomme Mathieu Catavolo. Okay. Les 5-6 autres joueurs, ils rentrent dans le vestiaire. Ça, c'est le dernier jour de la pré-saison. Après, il coupe ça encore, il nous parle à nous 3, il nous dit « Ouais, les gars, vous avez vraiment bien fait. » on est content de voir qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. Sauf que, période de Covid, budget coupé. Donc, là, il y avait la deuxième partie du camp qui est à Miami. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, ils ont commencé leur début de saison à Miami. Ouais, exactement, dans la bulle. Donc, il dit, Mathieu Catavolo et Ubens, allez là-bas, je vais parler avec Ismaël. Ok.
Donc là, ben en fait, il nous parle en premier, il va parler à Ismaël après. Donc il nous dit comme quoi, ouais, honnêtement, vous avez brillé, vous avez ressorti du lot. Mais comme on a dit, le budget est un peu serré à cause du COVID, etc. Sauf que, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est que vous pouvez rester à l'académie pour un certain temps jusqu'au mercato d'été. Ok. Parce que ça, on est février, mars. Donc, vous pouvez rester jusqu'à au mercato d'été. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'on va être en mesure de vous signer à ce moment-là. Donc, on fait d'accord. On rentre dans le vestiaire. On explique la situation aux autres gars de l'académie qui, justement, eux, pour eux, je pense, de là, c'était presque terminé. D'accord. Et il y a Isma, après, lui, qui revient tout content, tout souriant. Il nous dit, ah, ouais, ben, moi, j'ai pu... je vais continuer la pression avec les gars. Donc, c'est de là que ça s'est un peu plus détaché, un peu, si je peux dire, avec le club. Pas de mauvaise façon, c'est juste qu'à partir de là, tu vois, ils étaient à Miami, donc ils n'étaient plus ici. C'était compliqué pour eux de faire le suivi avec nous ici. Et bon, après le mercato d'été, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Donc, c'est de là que le directeur sportif, au moins pour ça, je peux lui donner. Il me dit, bon, tu nous as impressionné au camp de pré-saison. On est vraiment content de ce que tu as fait. Malheureusement, on ne peut pas te signer pour le moment. Qu'est-ce qu'on te propose? C'est qu'on va t'envoyer à Forge. Donc, je pense qu'ils ont des bonnes relations avec eux. Donc, il me dit ça un vendredi. Le lundi matin, je suis ici déjà. Ça, c'est 2021? Ouais, 2021. Je pense que c'est quoi, le 1er août. 1er août, je suis ici. Donc, comme j'ai dit, le vendredi, il m'appelle, il m'explique un peu le plan. Lundi matin, je rentre ici et je suis là, quoi. Alors, ça, c'était sacrée histoire. Ouais, ça allait très, très vite. Est-ce que tu penses que, déjà, sans tes deux grosses blessures, j'ai envie de dire, ton destin, il aurait pu être différent au CF? Définitivement. Rémi Garde, comme on en a parlé. Donc, en vrai, je me suis blessé en octobre. Je me suis blessé en octobre, fin octobre, début novembre. Le CF Montréal, ils sont déjà out des séries ou quoi que ce soit. Donc, j'ai été invité au camp de pré-saison quand j'avais 17 ans et j'avais été le seul joueur à être invité. Sauf que, blessure. Donc, Dieu seul sait. Je vais pas dire que oui, j'aurais signé, ouais. Mais j'ai quand même été le seul joueur à être invité au camp de pré-saison à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans ma génération. Donc, je pense que ça aurait pu être différent, mais encore une fois, c'est le plan de Dieu. Et c'est pourquoi il m'a fait passer par là, quoi. Je dis ça parce que Rémi Garde, on connaît. C'est un entraîneur formateur. Quand il était à Lyon. Les gars, ils sont passés, hein. Des têtes croisées comme tu as fait dernier match. Ça montre une équipe première et tout. Exact. C'est pour ça que je dis ça. Donc, justement, tu arrives à Forge en 2021. Donc là, tu es en train de me dire, c'est un peu le directeur sportif exact. Qui t'a placé là. Est-ce que c'est un prêt ou un transfert? En vrai, c'est aucun des deux parce que j'ai pas signé avec l'équipe, j'ai pas signé avec Montréal. Et je suis pas en prêt parce qu'encore une fois, je suis pas signé avec le club. Donc, c'est vraiment juste, je continue ma carrière là-bas. Donc, tu vois, même mon contrat, c'était pas, par exemple, c'était pas 3 ans, c'était 1+1+1. Donc, c'était toujours des années d'option justement parce que le club aussi voulait voir comment je me débrouillais, comment j'allais faire. Donc ça arrive comme ça. Ok. C'est bien en tout cas. Ouais. Directeur sportif, comme on dit dans le jargon, il t'a mis bien. Ouais, il m'a mis bien exactement. Il t'a mis bien. Donc, est-ce que toi, tu as des a priori avant de signer à Forge? Tu as du fait du championnat de CPL, est-ce que tu connaissais déjà ou... C'est sûr qu'on connaît parce que... Bon, à l'académie, on nous apprend tout. À l'académie, on apprend de tout. On nous fait déjà comprendre que... Justement, à 14-15 ans, on est 25, mais que dans les 25, il y en a 2 qui vont signer pro. Donc, les 26, les 23, 22 autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que les gars, peut-être que la CPL, c'est une ligue qui commence et elle va regarder les jeunes joueurs des académies et peut-être que ça va être bon pour vous. Peut-être qu'il y en a qui vont aller à l'université. Donc, de là, on savait déjà que la CPL, elle était là, tu vois. Mais je ne vais pas te mentir que
tu es dans une académie MLS, tes yeux sont juste pour la MLS. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La CPL, honnêtement, avant que j'arrive, avant qu'on m'en parle, je voulais rien savoir. Absolument rien savoir. Dans ma tête, c'est « je vais pas en CPL. Je reste en MLS ou je trouve quelque chose d'autre, tu vois. Le destin, Dieu a décidé de faire autre chose, donc je suis ici maintenant. Mais c'est ça, quoi. Donc, tu parles justement de du fait que tu sois arrivé en CPL, que tu fais l'académie en CPL. Ça, c'est un phénomène qui est assez courant chez les jeunes, que ce soit en Europe ou même ici, parce qu'ici, on va se concentrer sur ici, hein, on est ici. Tu as des jeunes qui sont de l'académie, soit ils n'ont pas de contrat pro, ou ils sont en quête de contrat professionnel, que s'ils vont toquer à la porte du club, ils disent parce que je mets 20 buts moi, en championnat, ils disent ah, on n'a pas d'argent, tu vois. Exact. Ils disent ok, t'as pas d'argent, ça me dérange pas, je m'en vais à CPL. Exact, exact. Est-ce que toi, tu comprends un peu cette espèce d'exode? C'est pas, j'ai envie de dire, c'est une fuite de talent. Parce que si on prend ton exemple, par exemple, un joueur qui est talentueux et qui joue en CPL maintenant, et il y en a beaucoup. Je suis sûr qu'encore hier, contre Ottawa, il y avait le petit Gabriel là. Exact, exact. Qui était la même chose. Exactement pareil. La même chose. Est-ce que tu comprends justement le fait qu'il y a plein de jeunes qui tournent vers la CPL, se tournent vers la CPL? C'est sûr que je pense que c'est le bon chemin à faire. Bon, c'est sûr que, comme j'ai dit, que ce soit moi, que ce soit les gars comme Gabriel ou tous les gars qui étaient à l'académie, leur but, c'est de signer avec la première équipe. Ouais. Sauf que tu ne peux pas rester là à attendre toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu grandis, tu vieillis, tu dois commencer à buter. C'est quoi jouer avec des hommes? Tu joues, tu as l'habitude de jouer avec des gars de 18 ans. C'est facile, c'est bien. Tu domines, mais tu dois commencer. Exactement. Tu dois aller jouer avec des hommes. Parce que physiquement, tu ne peux pas juste focuser sur ce qui est physique. Tu vas focuser sur ce qui est technique, compréhension de jeu. Tout va plus vite. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu normal. En Europe, on le voit souvent. Des gars qui ont fait leur formation dans un certain club, ils vont signer dans un autre club. Donc, c'est normal. Je pense que c'est la chose à faire s'ils n'ont pas la chance de signer avec un club. Par exemple, pour les joueurs de Montréal qui n'ont pas la chance de signer avec un club MLS. La CPL, je pense que c'est bien. C'est bien pour les jeunes joueurs, ça met en valeur les jeunes joueurs. Il y a ce trophée de meilleur joueur moins de 21 ans, tu vois, ça met l'emphase sur les jeunes joueurs. Il y a la règle des 2000 minutes pour les joueurs de moins de 21 ans. Okay. Donc, tous des trucs comme ça qui mettent l'emphase justement sur le développement des jeunes joueurs. Donc, je pense que ça va de soi que les joueurs, quand ils voient que ça peut peut-être pas fonctionner avec la première équipe, ils se tournent vers la CPL, quoi. Donc toi, tu débarques dans tout ça, nouvel environnement, nouvelle ville, loin des parents. Ouais. C'est ta première expérience loin des parents comme exact, ça. Exact, ouais. Si on va sur un point de vue personnel, toi, comment tu vis le truc? En vrai, de vrai, moi, c'était pas si pire pour moi parce que je suis arrivé au mois d'août. Okay. Et dans le fond, c'est la moitié de la saison, presque même un peu plus que la moitié de la saison. Et là, je connais Garf. C'est là que je connaissais Garf de l'académie, mais c'était vraiment vite fait avant, tu vois, parce qu'on était dans des générations différentes. Mais là, je connais Garf, donc j'habite avec lui. Vraiment, c'est un bon, il m'aimait bien, bref, tu connais Garf, tu vois. Donc, il m'aimait bien. L'anglais, au début, c'était pas top, hein. Et ça, j'allais dire. Aïe, non, l'anglais, c'était compliqué. Ouais, là, c'était ça compliqué. Va, tu te débrouilles. Ouais, non, là, honnêtement, Dieu merci, ça va bien. J'arrive à gérer, mais au début, c'était compliqué. C'est-à-dire, si on finit l'interview en anglais, tu vas gérer. Ah, maintenant, je suis géré. Je suis bien. Toi, moi, juste, non, pas m'afficher. Même, mais vas-y, faisons-le même. Non. Ah, ok. C'est bon. Moi, je m'affiche pas, tu vois. Je suis là pour afficher, les gars. Non, ça va, y'a pas de problème. Donc, ça y est, tu débarques à Forge. Tu m'as dit, t'es en colocation. Et niveau terrain. Est-ce que toi, t'arrives que ce soit le premier ou les premiers matchs domicile extérieur, tu regardes à gauche, à droite et t'es impressionné? Tu te dis, oh, je m'attendais pas à ça. Bah, c'est littéralement ce qui est arrivé. Bon, comme je t'ai dit, mais avant que je vienne ici, je voulais rien savoir de la CPL, donc je regardais pas. Tu vois? Ouais. Donc, une fois que je viens, je vois que dans notre équipe, il y a des anciens joueurs qui ont joué à TFC. Ouais. Ah, je me dis qu'il y a du niveau. Il y a des gars qui sortent des grands clubs en Europe. On avait un défenseur qui sortait de Genk.
Ah, tu dis que ouais, c'est pas mal. Même chose, on avait un milieu de terrain. Il a signé pro, il a joué Europa League à 16 ans. Tu dis que ah, qu'il y a du niveau. Les gars, ils savent jouer, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, j'arrive, je suis impressionné. Et je me dis que voilà, c'est juste pour le mieux. Je peux juste m'améliorer et prendre ça comme une bonne opportunité pour apprendre et grandir. Justement, tu arrives, directeur sportif, entraîneur, est-ce qu'ils ont un mot à dire? Ouais, ils me disent comme quoi ils ont entendu des bons mots. Comme je t'ai dit, c'est le directeur sportif de Montréal qui m'amène ici. Donc, sûrement, les coachs, ils ont regardé vite fait un peu c'est qui le joueur, mais peut-être sans plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment quand j'arrive à l'entraînement ici qu'ils peuvent vraiment me voir pour les premières fois. Donc, c'est sûr que, tu vois, j'arrive les premiers jours, ils me parlent, ils essaient de me mettre bien, ils me disent que voilà, ça fonctionne comme ça, comme ça. Mais voilà, quoi. Donc, tu arrives en cours de saison et tu prends rapidement tes marques. Je pense que tu mets doublé comme une semaine ou deux après que tu es arrivé. Ouais, exactement. So, doublé à mon premier départ, en fait. Okay. Première titularisation du ouais, exact. T'as pas le temps. Ouais, exactement. T'as pas le temps. Donc, tu fais 6 buts première saison. Ouais, 6 buts en championnat. Ouais. Exactement. Je pense qu'il y a un ou deux autres buts en championnat canadien. Donc, ouais, honnêtement, vraiment content par rapport à ça. Ça s'est bien passé. Les gars, ils m'ont mis bien. Je pense qu'il y a aussi le fait que, tu vois, je marque assez rapidement, ça aide à être un peu aimé des gars, tu vois. Ouais. Donc, ça s'est vraiment bien passé par rapport à ça. Tout le monde m'a mis bien, quoi. C'est pas mal pour une première saison. Ah, vraiment pas mal, quoi. Ah. Alors, j'ai dit ça parce que ta deuxième saison, c'est la confirmation. Exact. Deuxième meilleur buteur ex-aequo. C'est toi qui dois dire ton nombre de buts, hein, en CP. Ouais, donc c'est 12 buts. 12 buts l'année passée. 12, 13, 12 Je pense que c'est 13. 13 ouais. Bon, tu vois. Donc, c'est Salter. Ok, bon. Toi, tu vois. Putain. Ah, tu vois. Donc, ouais, exactement. Donc, 13 buts. 13 buts. Champion en titre. À partir de là, on peut dire que c'est une saison réussite. Hein. Ouais, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Ouais. Donc, à partir de là, il y a la presse qui parle de ta saison triomphante. Il y a des rumeurs qui t'envoient un peu partout. Exact. Ça parle de la sélection haïtienne. Puis on a dit, ah, le futur Jonathan David. Ah, tu vois, Ontario, ça claque des buts et tout. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules après ça? Bon, pour moi, ça n'a pas nécessairement été un problème. Je sais de où je suis passé, les blessures. Mes parents aussi, on m'a toujours grandi d'une certaine façon parce que je vais toujours rester humble. C'est Dieu qui donne. Oui, tu es là, tu fais ton travail, tu mets tes efforts. Mais c'est Dieu qui donne avant tout. Si Dieu décide que, encore une fois, je connais du bois, que je me blesse, je peux rien faire. Ça, c'est ce que je veux dire. Donc, je reste humble. Je vais juste me dire que voilà, je profite du temps que j'ai, des opportunités que j'ai et voilà, je continue à prier que ça va continuer à bien se passer. Tu gardes la mentale. Exact. Alors, j'ai une question pour toi. Lorsqu'on remporte la CPL, qu'on finit deuxième meilleur buteur ex-aequo, ça c'est moi, dans mon livre à moi, c'est une saison réussie. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire mieux que la saison dernière ou être linéaire dans tes prestations? En vrai, je dirais de faire mieux. C'est difficile de faire mieux. Même cette semaine, j'en parlais avec Dave et à vous justement. Tu sais, tu fais quelque chose de grand dans une année, on expecte directement que tu vas faire la même chose ou mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? L'année passée, ouais, j'en mets 13, mais c'est chaud. Je sais que c'est. Tu vois, c'est pas facile d'en mettre 13, tu vois. Ouais. Donc, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. L'objectif, c'est quoi? C'est toujours la barre des 10 buts, on va dire. Parce que lorsque c'est ta première saison complète, c'est ça qu'on oublie de dire. T'arrives la saison d'avant, t'arrives en milieu de saison, tu mets 6 buts. Exact. Tu fais une saison complète. Tu mets le double. Exact. Donc là, on se dit, on a un critère. Exact.
Rubens, on sait qu'il met la barre là. Tu débutes la saison, c'est pas pas un stress, j'ai envie de dire, mais... Mais il y a une certaine pression. Une certaine pression, t'es attendu. La même façon que cette année, bon, pour le moment, au niveau des buts, c'est un peu plus compliqué cette année. L'équipe, on a eu notre période un peu grise aussi. Mais t'es attendu. On s'attend à ce que tu fasses pareil ou minimum. Donc, on s'attend même à ce que tu fasses mieux. Donc, c'est difficile, mais c'est la vie d'un attaquant. On veut toujours que tu marques, on veut toujours que tu marques plus. Donc, je dois juste vivre avec, quoi. On en parlait en off, on a dit attaquant, gardien, c'est les deux postes les plus ingrats du football. Exact. Toi, t'es attaquant, t'es pas gardien. Ah, exact. Je vais te demander, c'est quoi le plus dur? Pour un attaquant? Ouais. De rester concentré. Rester concentré, pourquoi? Bon, dépendamment du style de jeu que ton équipe joue, ça se fait que tu touches pas beaucoup le ballon. Moi, ça m'est arrivé l'année passée des matchs parce que je finis le match avec 13 touches de balle. Ah, mais par exemple, tu dois courir, hein. Tu dois défendre, tu dois aller mettre la pression, etc. Et aussi, on s'attend à ce que le ballon qu'on va mettre dans la boîte, même si tu en as touché 3 avant, tu dois la mettre dedans. Tu ne peux pas dire que c'est ma 4e touche, je dois encore me mettre dans le match. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de garder ce sang-froid, de rester concentré. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Chaque position a ses pour et ses contre. Les attaquants, tu mets 2-3 buts, tout le monde commence à s'enjailler. Alors que pour les défenseurs, tu mets 3-4 clean sheets, tu vois, on s'attache que ça soit normal. Tu vois ce que je veux dire. Alors, on parle de forge. Et l'an dernier, 2022, tu rencontres ton club formateur, championnat canadien, au stade Saputo. C'est la première fois que tu les rencontres. Deuxième fois. Ouais, tu les rencontres en 2021. Ouais, exactement. Ils étaient venus jouer ici à Achille. Ok. Donc, sauf que cette fois-ci, j'ai même pas joué, pas touché le terrain du tout. Donc, ça l'a fait mal. C'est quand même assez triste. Ouais. Pas pleurer, mais presque. Ok. Parce que je voulais, tu vois, c'était ma chance un peu de prouver que peut-être que vous auriez dû me garder. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, on avait fait un très très grand match. Ça l'a fini en pénalty. Malheureusement, on a perdu. Mais l'équipe avait fait un grand grand match et je pense qu'il y avait moyen à créer un peu les problèmes pour eux en fait. Ouais. 2022, là, tu joues. Ouais, exact. Défaite quand même au stade Saputo. Le fait de... J'imagine que tu as sûrement joué aussi quand tu étais plus jeune au stade Saputo. Mais dans le cadre professionnel, c'est un match en pro, tu joues au stade Saputo, et j'imagine qu'il y avait la famille. Ouais. Est-ce que tu avais à cœur, toi, d'aller? Tu vois, là, t'as en tête la petite célébration, tu marques, petite célébration, tu direct. Fais le goût. T'es obligé, obligé. Aller proche de la famille, c'est sûr, tu fais le W, t'es obligé. Mais c'était important, c'était une grande journée aussi pour moi. Parce que j'étais à l'académie, j'ai été voir les matchs au Stade Saputo plusieurs fois. Parce qu'on avait des billets gratuits quand on était à l'académie justement. Donc dès qu'on en avait la chance avec les gars, on allait avec Zach, Cédric, tous ces gars-là. D'avoir la chance de pouvoir jouer, de pas juste être dans les estrades, mais de vraiment pouvoir être sur le terrain avec les fans et tout, c'était vraiment spécial. Donc, Puis si je compte, l'entraîneur qui est au CF Montréal, c'est celui qui t'a dit d'aller faire des essais. Exactement. Là, tu le rencontres, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe vraiment vite, tu vois. Ça s'est passé vraiment vite. J'ai vu tout le monde, j'ai donné les accolades à tout le monde. Mais tu prends pas le temps de réaliser, tu vois ce que je veux dire. Donc... encore une fois, juste de la joie, tu vois. Content de ce qu'il avait déjà vu, le petit truc qu'il pouvait faire avec moi, et il a fait son travail, quoi. Alors, pour venir à Forge, il y a un entraîneur que tu découvres, Paul. Si tu pouvais me le décrire rapidement, c'est quel type de coach? C'est un coach qui aime être au contrôle. Okay. Certains coachs préfèrent être proches de leurs joueurs, certains un peu moins. Je pense que c'est un coach qui
qui essaie d'avoir le juste milieu. Mais bon, voilà, parfois ça peut être un peu compliqué. C'est pas nécessairement facile de gérer des hommes comme ça, qui ont des modes de vie différents. Hein. Moi, il y a des coéquipiers, ils ont des enfants. Ouais. Moi, je suis là, je suis pas un enfant, mais tu vois ce que je veux dire. T'es un enfant, ben, tu vois, genre, j'ai rien à gérer, quoi. Donc, c'est pas facile. Mais moi, ouais, c'est un coach qui aime être au contrôle. Il a vraiment sa vision des choses et il veut que ça se passe comme il le veut, quoi. C'est un vrai manager. Exact, un vrai devoir. Tu sens qu'il t'a fait progresser? Oui. Il m'a fait progresser. Si je suis capable de faire ce que je fais, c'est sûr qu'il y a une partie de lui là-dedans aussi, tu vois. Oui, il m'a permis de progresser dans la boîte, mes mouvements, ma façon de bouger, ma façon de réfléchir aussi. Donc quoi? Tu penses qu'il est prédestiné à aller plus haut que la CBL? Je pense bien. Ça fait quoi, 4 saisons que la CBL est là. Il a été en finale 4 fois. Il a gagné 3 fois. Et il a été en mesure d'amener l'équipe en Champions League, CONCACAF, ouais, à travers la CONCACAF League. Il a prouvé ce qu'il pouvait faire. Donc, c'est sûr que quand on voit tout ça, on se dit qu'il est capable de faire plus. Tu me parles de la CONCACAF, j'avais complètement zappé. Ouais. Tu l'as joué aussi. Ouais, exact. C'est comment? Cruz Azul, hein? Cruz Azul à Azteca au Mexique, incroyable. Ouais. Incroyable. Ça, c'est vraiment, c'est un moment où je me suis dit, je vais voir. Ça, c'est le vrai de vrai foot. Plus haut que quand on a joué comme Montréal à Montréal. C'est vraiment, tu sens quand tu es à Azteca que c'est un vrai stade mythique, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a eu des Coupes du Monde, parce qu'il y a eu des grands joueurs, des Maradona, bref. Mmh. On connaît tous ceux qui ont déjà joué là-bas, tu vois. Donc, ouais, vraiment spécial. Et le niveau, il est comment? C'est au-dessus. C'est au-dessus. Le match, moi, j'ai rien. Yeah, c'est mieux qu'on parle pas du match. C'est mieux qu'on parle pas du match, parce que, wesh. Mais encore, le match... Mais c'était pas si pire. En vrai, c'était pas si pire. Mais tu vois quand même que les gars, c'est un niveau au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce match aller ici, il était bien. Ouais. On perd 1-0. Ouais. Malheureusement, pas un vieux but, mais un vieux but. Ouais, on va pas trop en parler, mais... ouais, mais quand on a été joué là-bas, c'était quand même différent. Là, on était chez eux, on était dans leur ambiance. Ouais, il y a eu le 3-1, quoi. C'est vrai. Moi, je regardais le match là et j'ai vu. Ouais, je me rappelle. Mm. On parle de ton entraîneur. Juste avant, tu sais quoi? On parle de Azteca. Est-ce que tu penses que c'est une des meilleures périodes de ta vie jusqu'à maintenant en tant que footballeur? Ouais. Pourquoi? Parce que tu vis vraiment cette vie de genre de foot pro, tu vois. Ouais. Tu vas au stade incroyable. On a été à l'hôtel incroyable. Les fans, incroyable. Les fans, ils sont là, ils sont à côté du bus, comme quand on voit la télé, tu vois. Ouais. Ils sont là avec les fumigènes et tout. Tu te sens vraiment pro. Ils vous lancent les rushs ou pas? Non, les rushs, pas trop. Okay. Mais ils étaient là, tu vois. Dès qu'on est sorti, les boues, les huées, tout ça, tout était là, tu vois. Donc, ouais, forcément, c'est dans le top des moments de ma carrière. Ça, t'aimes ça? Tu vois, l'espèce, tu joues à l'extérieur, t'es hué. Ouais, non, ouais, moi, ça fait plaisir quand même. Moi, ouais, ça pousse. C'est sûr que des fois, tu sens que ça aide l'équipe adverse. Ça, tu le sens des fois. Ouais. Et t'essaies de casser ça le plus possible. Mmh. Que ce soit avec des buts, que ce soit, peu importe, avec des bonnes actions. Tu gardes le ballon dans leur zone. Mmh. Des trucs du genre, mais non, moi, ça en vrai, dès qu'il y a du bruit, pour moi, c'est bon. Que ce soit pour nous ou contre nous, moi, c'est bon. Alors, ça, c'était une des meilleures périodes. Une de tes pires, je dirais, c'est quoi? Les blessures. Ouais. Ouais, les blessures, ça, c'est sûr. Comme j'ai dit, je pense que le moment qui m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai su que, justement, j'avais été invité pour aller avec les pros. Que j'avais été le seul à être invité avec les pros, mais que j'ai pas pu y aller justement à cause de la blessure. Je pense que là, ça l'a été le plus difficile quand même. Quand tu es blessé aussi longtemps, tu fais quoi? Tu essaies de t'accrocher, hein. Tu essaies de t'accrocher, mais encore une fois, c'était difficile. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, nous, on a été à l'académie, on était au secondaire, c'était tout le temps avec eux. Ouais.
Donc forcément, les gars avec qui je suis le plus proche, c'est eux qui s'entraînent. Donc eux, ils sont tout le temps en train de s'entraîner, mais moi, je suis pas avec eux. Là, en plus, là, on finit le secondaire, donc on est au cégep. Chacun va un peu dans sa voie. Donc tu te retrouves à te faire des nouveaux amis, à trouver d'autres occupations, à te concentrer un peu plus à l'école. Donc bah, c'est sûr que c'est difficile, mais tu essaies d'être accroché. Ah, parce que tu viens de passer, on va dire, au moment où tu te blesses, tu as 17 ans, tu vois. Mm-hmm. 17-18 ans. Tu as passé, allez, 3 années avant, tu faisais que vivre de foot. Exact. Matin, midi, soir. Ouais. Du jour au lendemain, comme ça. Fini. Donc, ça veut dire, quand tu es à la maison, tu fais quoi? T'essaies de chercher, t'essaies de faire n'importe quoi. En vrai de vrai, là, que ce soit la play, que ce soit aller au parc, que ce soit aller marcher, que ce soit aller au resto, apprendre à faire de la nourriture, n'importe des quoi. Ah, des pâtes. C'est facile, tu vois. Je suis pas un cuisinier. Ouais, ouais. Je laisse ça à Garf. Garf, c'est le vrai cuisinier. Ah ouais? Ouais. Prochaine fois, on va venir à Hamilton, là. Il va te mettre bien. Mais ouais, donc t'essaies de te retrouver dans quelque chose. Mais tu sais que le foot, ça va toujours être la place numéro un. Donc t'essaies juste que ça passe le plus vite possible. Et avant cette blessure, t'es au cégep déjà? Ouais. Je viens de graduer du secondaire. Ah. Donc je vais à Montmorency. Ok. Montmorency. Il n'y a pas un cégep à Cabane, tu peux aller? Pourquoi tu vas à Laval? Écoute, Montmorency, c'est reconnu pour les sportifs, tu vois. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas. Tu as fait les nomades? Non, parce que j'étais avec l'académie. Avec l'académie. Oui. Exactement. Mais tous les gars des nomades, que ce soit l'équipe de foot ou même les gars de basket, tu vois, je les connaissais quand même assez bien. Mm-hmm. Donc, ouais. Arrive le moment de la bourse. Ah. On en a parlé en off. Mm-hmm. Ça, c'est quelle année? Je suis vraiment pas bon avec les années, pour être honnête, là. Ah ouais? Ouais, t'as eu une bourse? Ouais, j'ai eu une bourse, ouais. J'ai regardé aussi les personnes qui en ont eu aussi. Mm-hmm. Il y a Giraldo. Ouais. Giraldo. Mm-hmm. Je ne suis pas toi. Ouais. Mm-hmm. T'en as d'autres. Je pense que c'était une bourse Saputo. Exact. Comme ça. Exactement. C'est pour quelle raison cette bourse? Il y en avait que c'était simplement pour leur performance sportive. Ok. Il y en avait d'autres que c'était pour leur performance sportive et école. Ok. Moi, c'était plus pour mes performances sportives. À l'école, je me débrouillais, je n'étais pas le meilleur, mais je me débrouillais, j'arrivais à m'en sortir. Mais ouais, la bourse, c'est vraiment plus pour mes performances sur le terrain, quoi. Alors, justement, on va parler école. Tu deviens joueur professionnel. Parents haïtiens. Tu connais, tu sais, bien sûr, tu sais. Moi, je fais un podcast, hein, madame, elle me dit, oublie pas les études. Ah, les études sont là, obligé. Toi, est-ce que tu continues tes études, que ce soit en ligne ou whatever? Ouais, je suis obligé. Ouais. Je suis obligé. Ouais. Les parents sont là, ils poussent derrière. Ouais. Ils voient que tu es capable de marquer, mais pour eux, il y a plus, tu vois. Mais je les comprends aussi, parce que comme on sait, les blessures, ça arrive vite. Une carrière de foot, claquement de doigts, c'est fini, hein. À 35, c'était bon, tu peux jusqu'à 35, mais à 34, c'est temps d'accrocher les crampons, tu vois. Donc, il faut déjà que tu aies quelque chose de planifié. Donc, c'est sûr que je comprends, mais ouais, je finis le cégep. Donc, là, je vais aller à l'Uni en ligne toujours. Je pense que le fait qu'il y ait eu la petite période de Covid aussi, ça l'aide à ce genre de plateforme. Que maintenant, c'est plus facile, tu vois, qu'auparavant. Comment on fait pour mixer sport et études? C'était très très compliqué. Très 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 compliqué. Il faut juste que tu restes concentré. Tu dis que ça va te servir à quelque chose éventuellement. Surtout ici, là, je ne vais pas nécessairement à l'école sur place, c'est en ligne. Ouais. En ligne, ça veut dire que tu peux le faire quand tu veux. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être discipliné. Il faut vraiment être discipliné. C'est vraiment pas facile. Mais tu essaies de t'accrocher. Tu fais cégep en ligne à Québec. Ouais, exactement. Université, tu vas le faire en ligne à Québec. Ouais, exactement. Probablement, ça va être sûrement ça aussi que je vais faire. C'est ça que je suis en train de regarder, justement. Donc, ouais. L'université,
Est-ce que tu sais déjà en quoi tu vas t'orienter? Honnêtement, pas trop. Ça se peut que j'aille à l'Uni puis je fasse un, comment t'appelles ça, par cumul, bac par cumul. Ouais, un bac par cumul, ouais. Peut-être que ça peut être pas mal. Parce que voilà, c'est difficile honnêtement pour moi de chercher, ben, de trouver une seule branche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que par cumul, peut-être que ça va m'ouvrir un peu les portes à plusieurs domaines, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc si j'ai à dire quelque chose, c'est peut-être ça que je dirais pour le moment. Alors, on parle de un peu le futur. Mais les objectifs à long terme de Women Spacious, si on parle terrain, c'est quoi? C'est d'aller chercher le plus haut niveau. J'ai pas nécessairement un club, une ligue où est-ce que je veux être. Mm-hmm. Mais bon, on les connaît, les top 5 championnats, ça reste que c'est ça l'objectif, tu vois. Mm-hmm. Donc équipe nationale canadienne, ça serait pas mal. Mm-hmm. On voit que mois après mois, les joueurs deviennent meilleurs, la sélection devient meilleure. Donc c'est peut-être un peu plus difficile maintenant de percer le groupe, mais je pense que c'est toujours possible. Mm-hmm. Donc on va continuer à bosser par rapport à ça. Benz, on a fini. Voilà. Ça a été relativement correct. Ah, relativement correct. Ah, ouais, ok. T'as bien fait deux choses avant de te laisser. Ok. La première, j'ai pris l'habitude de demander aux joueurs s'ils ont un ou des conseils à donner aux jeunes qui rêvent de devenir professionnels. Mm-hmm. Ce serait quoi? Je ne veux pas paraître redondant, mais je pense que tout le monde le dit, c'est de croire en soi-même. Mmh. De mettre les efforts, de travailler fort et de croire qu'on peut y arriver. Tu vois, c'est facile à dire. Après, quand les moments sont plus difficiles, c'est dur à faire. Mmh. Mais de vraiment garder la mentale et de se dire que c'est possible, quoi. Alors ensuite, voici un petit cadeau pour toi. Ah ouais, vous mettez bien là. C'est la marque Genk. Ok. Je te passe ici. Genk. Merci. C'est notre partenaire pour la saison 2. C'est une marque qui a été créée par Katia Dion. Okay. C'est une styliste qui est reconnue depuis plus de 15 ans. Elle est dans le game, tu vois. Pas mal, hein? Ouais, elle fait des vêtements propres. Moi, je te dis, là, moi, je suis habillé en Genk. Ah ouais. C'est 100% canadien. Bien, là. Là, on s'est dit, bon, tu vois, là, c'est bien ta taille. Je pense que c'est un peu oversize, je sais pas. Ok, ok. Mais là, on a dit, bon, tu vas kiffer, tu vois. Ah non, non, les gars, vous m'avez mis bien, moi, je kiffe bien, là, même le tissu, là, ouais, juste comme ça, je le touche. Ouais, ouais. Très, très propre. Propre. Donc voilà, c'est un petit cadeau, on te laisse. Non, ça fait plaisir, les gars, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, allez. Je te check. Allez, mon gars. Vas-y. Allez, on est ensemble.